L'idée de modèle pédagogique en sciences de l'éducation n'est pas une nouveauté. Elle concerne à la fois la question du savoir, donc des connaissances, euh, la question de l'apprenant et du formateur. L'éducation au développement durable a, a transcendé un peu, modifié ce qu'on a longtemps appelé le triangle pédagogique. Ce triangle s'appuyait sur une vision assez simplifiée qui partait effectivement du fait qu'on distillait des connaissances. Ces connaissances étaient bien sûr distillées par un enseignant, un formateur, et elles allaient vers un apprenant. Et on avait en fait trois process qu'on distinguait bien dès le départ. Un process d'apprendre, donc comment apprendre, pourquoi, pour quelle finalité. Un process lié à l'enseignement, comment on devait enseigner, comment donner des connaissances, sous quelle forme. Et puis un process apprentissage. L'idée qu'on retrouve ici, c'est que la formation, donner des connaissances, n'est pas forcément l'éducation. Puisqu'on fait bien la différence entre enseigner le développement durable, donner des connaissances en développement durable, et éduquer au développement durable, qui signifie changer les comportements. On a longtemps pensé que les éducations A, comme l'éducation à la santé, l'éducation au développement durable, allaient transformer ce triangle. La transformation reposait sur un simple fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'apprenants et de formateurs, mais une communauté apprenante qui coopère, qui collabore qui va justement permettre de réfléchir sur quel type de savoir on va identifier mais surtout quel type de compétences on veut finalement au bout. Et le poste compétence commence à devenir le sommet d'une pyramide. On comprend que le monde du travail, le monde éducatif réfléchissent bien sûr sur les compétences qui doivent émerger et l'éducation au développement durable doit bien sûr servir à cela. Mais en même temps, il faut réfléchir sur l'articulation entre les connaissances et les compétences. On voit apparaître les, les trois nouveaux process qui sont importants dans ce triangle. Premier process, euh, l'identification. Euh, comment et quel type de compétences je cherche à développer. Deuxième process, le transpo, la transposition. Comment je transpose des connaissances, des savoirs en matière de compétences. Il y a des savoirs émotionnels qui posent effectivement difficultés lorsqu'on les transpose dans le monde des compétences. Et puis enfin, euh, comment apprendre avec une communauté d'apprenants. Qui a bien sûr des statuts, des finités différentes. À partir de là, euh, on voit très bien que ce triangle stimule trois types de composantes. Une composante didactique, euh, là on réfléchit bien sur les connaissances, quelle nature leur donner, euh, quel type de représentation va-t-on mettre en œuvre. Une composante apprentissage, là on va réfléchir sur la nature et le niveau du contenu. Les curriculums, par exemple, réfléchissent sur de euh, programmes on fait entrer en éducation au développement durable. Euh, quelle démarche pédagogique euh, Quelle thématiques faut-il travailler sur l'environnement Sur la biodiversité Sur les changements climatiques Ou également des questions de composantes d'enseignement. Et là, on réfléchit sur quel type de connaissances on va partager, on va co-construire. On l'a bien dit, hein, l'éducation au développement durable est à co-construire de plusieurs disciplines, de plusieurs types d'expertises. Et finalement, ça joue un rôle très important sur le type de modèle pédagogique qu'on veut développer. Alors, sans dire qu'on a une échelle exhaustive, mais on a trois, quatre, voire plusieurs modèles pédagogiques qu'on peut utiliser et qui ont du sens. Le modèle à curriculum ouvert, on le verra, a une pertinence si on ouvre sur des connaissances et des compétences. Le modèle d'investigation impose un rapport à l'enquête. Je vais étudier quelque chose, je vais le structurer. Le processus de théorisation renvoie aux hypothèses qu'on va développer sur un modèle. Et enfin le dernier, qui est une référence aux conceptions alternatives fait débat sur le conflit. Euh, comment l'enseignant, par ses méthodes pédagogiques, peut-il internaliser le conflit dans sa pratique euh, Le conflit peut porter sur un sujet social, euh, la pauvreté par exemple, sur un sujet environnemental, euh, la protection de l'environnement, ou également sur d'autres aspects, ça peut être la santé ou le rapport à autrui. Si on revient sur l'un de ces modèles, euh, ce qu'on appelle le curriculum ouvert, on comprend que l'ouverture signifie qu'il n'y a pas trop de limites sur le modèle on peut concevoir une forme d'éducation au développement durable par un rapport à plusieurs finalités. Euh, quel est le but euh, Travailler sur le rapport à autrui, euh, travailler sur la dimension culturelle. Si l'objectif effectivement est de développer l'interculturalité, euh, on va développer une démarche qui va favoriser l'interculturalité. Ça peut être la co-construction, ça peut être l'échange, ça peut être la discussion par focus group, en petits groupes et avec plusieurs tours, on va débattre d'un sujet ensemble qui peut être le rapport effectivement à la santé. Et tout doucement, ceci va forger des représentations communes. Et on pourra réfléchir sur les contenus. Quel type de contenu assez ouvert on pourrait avoir dans un curriculum Donc, forcément, dans un contenu qui sera donné à cette communauté d'apprenantes. Deuxième méthode possible, on peut travailler sur la structuration et l'investigation. Là, on repart bien sûr des représentations. On veut savoir quelles sont nos représentations d'une thématique, par exemple, de la biodiversité ou de la santé. Et à partir de là, on va chercher à donner sens aux apprentissages. Autrement dit, euh, si je me focalise sur l'éducation et la santé, je vais réfléchir sur une thématique qui va transcender l'éducation et la santé. Ça peut être sur le couple santé-environnement-alimentation. Et donc réfléchir en quoi l'alimentation a des conséquences sur l'individu, en quoi son environnement perceptible jouera également, et puis en quoi surtout euh, la question de la santé peut être perturbée par ces trois approches. Et ça, c'est vraiment parler d'éducation au développement durable. L'intérêt, finalement, c'est d'aboutir à des acquis. Euh, quel type d'acquis je vais définir par rapport à ce modèle Et puis de décliner des activités. Autrement dit, euh, celles qui vont définir les problématiques, on appelle fonctionnelles. Hein. Quels problèmes je vais identifier Lesquels et sous quelle forme Des activités heuristiques. Comment j'y réponds euh, Par quelle méthode Sous quelle forme Et avec quelle finalité Et puis systémique. Comment je crée du lien Comment j'articule dans un curriculum différents modules de formation qui des fois sont très très éloignés. On comprend que l'éducation au développement durable impose un travail de fond sur l'articulation des compétences et des connaissances. Enfin, peut-être un modèle qu'on retrouve dans beaucoup de cas en éducation au développement durable, c'est la conceptualisation. Vous savez qu'on aime toujours bien partir de structurer et de structuration de modèles. Et quand on structure quelque chose, on part forcément euh, des questions qui font débat. On estime que l'éducation n'est pas forcément figée, elle est dynamique, et partir euh, des sujets controversés, hein, des, ce qu'on appelle les questions socialement vives, est vraiment un outil très intéressant parce qu'on réfléchit sur les représentations, sur la perception des choses, et puis on va appliquer ceci par rapport à une méthode. La systémique, c'est mettre en interaction, c'est délimiter ces éléments. Et finalement, euh, l'usage qu'on va utiliser à ce niveau-là, c'est la transdisciplinarité. Plusieurs disciplines qui vont nous faire sortir de nos disciplines, avec toutes les dimensions du développement durable et ce rapport aux échelles, et bien sûr aux principes et aux valeurs. Et on voit que finalement, ce débat conceptuel permet de réfléchir un petit peu sur, non pas la méthode, mais les méthodes qu'on peut percevoir aujourd'hui, et en quoi, pourquoi pas, l'éducation pourrait déboucher sur des méthodes, des modèles pédagogiques, avec une forme de diversité, effectivement, très opérationnelle.